Eh bien bonjour à tous, c'est Caudron. Aujourd'hui, on va se retrouver pour, je pense, le dernier épisode de notre série de présentation sur Cossacks 3. Et donc on va continuer comme ça, je vais amener des renforts mousquetaires pour combler les trous. Notre armée est en train de se former pour qui va bientôt déferler sur les lignes prussiennes. Je pense qu'on va couper la cavalerie en deux. Je vais prendre un petit pâté juste là. Voilà. La mousqueterie qui fait toujours plaisir. Alors on va mettre les hussards à peu près par là. On va passer sur du dragon 18ème maintenant. Histoire de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en formation. Alors on va diminuer le coût des mousquets. Je pense qu'on va pas mettre long feu à le à pulvériser l'adversaire, mais... Regardez, il fait des petites formations là de piquer 18ème. Merci les TK, l'artillerie, merci. Est-ce que j'ai pas un truc pour améliorer la portée de mes fusils? Alors regardez, après on peut carrément améliorer quand même la baïonnette et la rendre vraiment, vraiment très, très destructrice. On va faire une petite galère. On va faire ça. Donc voilà un petit régiment d'infanterie du 18ème siècle. Et je trouve le rendu vraiment très très sympa. Bon, il n'y a toujours pas le son. L'effet sonore du tambour, ça c'est assez dommage. Alors, on peut former, parfait, on peut former un petit escadron avec ça. On en fera un de 40. Alors, la galère qui est là. Avec l'animation des rames qui a bugué. Voilà. Et des voiles aussi. La marine, c'est pas encore trop ça. Hein. Je pense que ça, ils ont vraiment fait ça vers la fin du jeu. En tout cas, c'était pas une priorité. Mais voilà, regardez l'effet des voiles. L'effet des voiles est dégueulasse, il faut le dire. Quand il y a des trucs à dire, il faut le dire. Le navire en soi est pas moche. Mais les voiles, bon, l'effet voile est dégueulasse. Les rames sont buggées. Voilà. Voilà, voilà. Après, on peut essayer de voir un petit peu les autres améliorations. De toute façon, la prise de la ville, ça va être super rapide. Donc, alors, par exemple, si je veux faire... ça, c'est construction des cuirassés. C'est bizarre que les frégates, attendez. Construction de frégates. Or, d'accord.
ça va être réglé ça aussi. Hop hop hop. Ouh merde. Je me suis trompé. On a failli avoir une grosse famine là. du coup, voilà, ça c'est fait. On va rechercher ça. Débloquer la technologie pour avoir les frégates. Évidemment, quand on est la montgolfière, on peut supprimer les cosaques. Ils servent plus à rien. J'ai arrêté de produire ça. Ok, donc maintenant, on va se faire une petite frégate. Je vais vous montrer ça. Voilà. Petit coup de rame, là, à la construction de la frégate. Après, les animations de construction sont quand même assez sympathiques, hein. Voilà, on voit l'évolution progressive, etc. C'est joli, c'est beau. Enfin, c'est joli, c'est beau. Ça suffit, hein. Voilà, ça suffit. D'ailleurs, ça permet de se pencher un peu sur les textures alentours. Textures du sol. Qui sont franchement pas dégueulasses, hein. Regardez, là. C'est pas dégueulasse. Après, l'eau... J'ai un peu de mal avec l'eau, perso, mais c'est bizarre, quoi. Regardez. Je sais pas. J'ai un peu de mal avec la flotte. Donc voilà, la frégate. Alors, à noter que il n'y a pas les frégates 18e siècle et les navires de ligne 18e siècle, parce que ça, c'était des trucs qui venaient avec les extensions Art of War et Back to War, en fait. C'est-à-dire que je pense que ça viendra plus tard dans Cossacks 3 avec des mises à jour, des patchs. Voilà, bon, encore une fois, l'effet des voiles qui est bizarre, il est bugué, je pense. Après, la frégate est magnifique. À l'arrêt, l'effet des voiles est correct, mais voilà, la frégate est magnifique, hein, y a pas à dire. Après, voilà, les voiles ont vraiment une physique assez étrange. Alors, il faut quoi là? Du fer? Allez, maintenant je vais vous montrer le petit navire de ligne. Et on ira attaquer la ville. Ok, ça c'est fait. Alors, il faut de l'or, du charbon. Faire le navire de ligne. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui! Ah le salaud! J'avais pas fait attention. Bon, vous allez voir un peu l'efficacité du hussard d'ailleurs en parlant de ça. Sinon, hop. Regardez, voilà, l'ennemi fait quand même des petites formations. On a du dragon, de l'infanterie 18ème, du piqué, du canon. C'est pas tip top, hein, de toute façon, voilà, c'est sûr, ça changera pas. Après, dans ma campagne, enfin dans ma série en coopération avec Tibbs, on a constaté que l'ennemi, au fur et à mesure, en fait, faisait de plus en plus de grosses formations. Et à la fin, par exemple, le turc, qui était le dernier gros ennemi qui restait, on jouait en difficile, avait vraiment des formations de malade, quoi. Presque terminé. Regardez, il n'y a pas d'animation de construction pour le navire de ligne, par exemple. Regardez, petits défauts, là. On vient de déceler ensemble. Parce que je ne savais pas du tout. Ouf, voilà, le petit coup de rame. Ah, et j'ai débloqué un succès. C'est mon premier navire que je construis de ligne. Alors, il est magnifique. La physique des rats... Les voiles, j'ai vraiment un problème avec les voiles. Hein. Je pense que l'aspect maritime du jeu sera quand même à bien réapprofondir. Regardez, il y a des petits sprites comme ça. Regardez. Hop. 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 Voilà, c'est un peu... Voilà. Truc pas tip-top. Après, il y a les reflets dans la flotte. Ça, c'est sympa. Ah, et après, le navire est magnifique. C'est surtout, je pense, un aspect physique qu'il faudrait rajouter. Mais voilà, ce navire coûte de l'or, donc je vais le virer. Il coûte un peu trop d'or à mon goût. Voilà. Alors,
On va sonner la charge avec les hussards. Voilà, vous avez vu le petit aspect du hussard, c'est sympa comme tout. D'ailleurs, on va en refaire parce que voilà, la mitraille. Alors, encore une fois, l'artillerie, c'est vraiment... faut être super prudent, quoi. Petit défaut aussi, c'est les formations, regardez. Formation de cavalerie, c'est pas terminé. Regardez, ça c'est une formation comme ça. Ça c'est une formation, ouais, c'est celle-là. Le carré, voilà, c'est pas, c'est le triangle en fait. Et ça, c'est la ligne. Donc les attributs ne correspondent pas. Voilà. Tout simplement. Ah, il m'envoie ses armées de prêtres, tiens, intéressant. Je ne comprends pas trop l'utilité du truc, mais... intéressant. Bon. Tout le monde est là, tout le monde est là, on va commencer à avancer hein, parce que je crois que c'est bon. On a vu ce qu'on voulait voir dans cette série, maintenant on va voir la baston finale. Il n'y a même pas la place pour passer. Je vais neutraliser la mine ici. Moi aussi j'ai eu des petits problèmes, c'est pour recapturer les mines. Des fois ça recapture pas, c'est impossible de les recapturer, donc c'est assez pénible. Et j'ai eu ça à plusieurs reprises. Et j'ai tout le temps eu ça en fait, je crois que j'ai jamais réussi à recapturer une mine à moi. Donc c'est quand même franchement embêtant. Aussi le mode patrouille. Il n'y a pas le mode patrouille pour les unités, et ça c'est un petit peu pénible parce que j'aimais beaucoup ce mode patrouille. tu prenais des mousquetaires, des trucs comme ça, et en mode patrouille derrière un mur, ça faisait des malheurs quoi. Petit assaut avec les hussards. Il faut que j'aille neutraliser la casemate avant quand même. Alors des fois les canons en formation réagissent un peu bizarrement. Hein. Ouais, bon, regardez, là, la casemate, par exemple, regardez, hop, du canon, boum, c'est bon, c'est réglé. On va essayer de détruire, on va détruire l'académie, la caserne, plutôt, là-bas. J'envoyais les dragons. Mais hussards qui font n'importe quoi. Allez, on balance tout ça. C'est parti.
Les bâtiments qui explosent font plus de dégâts que tout le reste. Hein. Ah ouais, on y va en mode brut, hein, je sais. C'est pas du tout... Je vais péter la caserne. Ah, mon dragon. Ils ont touché mon dragon. Et Salico. Ah, ils ont construit notre forge. Ah, ça c'est pas cool, ça. Hop. Parce qu'une fois que vous avez plus de forge, vous pouvez plus construire d'unité, hein, donc c'est pour ça que c'est super vital pour l'ennemi. Regardez, les bâtiments détruits. Et bah des fois, les boulets vont dessus. Allez, à l'assaut. Et voilà, victoire. Magnifique. 17 minutes de vidéo. Et ben voilà. Et ben voilà une petite série de présentations sur Cossacks 3 qui aura été, ma foi, plutôt bien pliée. Globalement, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire sur ce jeu. On va continuer, évidemment, à suivre le développement. Je me fais pas trop de soucis. Les patchs sont assez régulés pour le moment. Les mises à jour sont là. Et c'est vrai que le report des bugs est quand même largement pris en compte sur leur forum, donc ça c'est quand même assez cool. Voilà. Sur ce, brave gens, bah j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, que cette série vous a plu. N'hésitez pas, pourquoi pas, à dire votre ressenti final sur Cossacks 3. Bon, en tout cas, il est plutôt positif, hein. Il n'a pas changé vraiment depuis le début. En fait, j'ai toujours eu à peu près le même avis sur le sujet, donc c'est pas vraiment un problème. Mais de votre côté, n'hésitez pas, pourquoi pas, à dire si... vous avez changé d'opinion sur le sujet ou pas, ou voilà, etc. Sur ce, brave gens, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et salut à tous.